Juste une question. Oui. Non, même là-bas. Ok, merci. Vous allez voir notre. Je suis là. Oui. De la conclusion de votre émission ici à Goma. La conclusion, c'est que, s'il vous plaît, la conclusion est celle-ci. Vous savez, tout d'abord, je commence par la raison de la mission de l'inspecteur général dans le Grand Nord, dans le Nord Kiv. Et sur instruction du commandant suprême, qui avait mis des fonds publics à la disposition des forces armées pour l'accomplissement de leur mission régalienne, alors il s'est avéré qu'il y avait des magouilles. Raison pour laquelle l'inspecteur général, qui dans ses attributions a le pouvoir de contrôler la gestion rationnelle des différentes ressources qu'on met à la disposition des forces armées de la République démocratique, est venu ici. Et en bref, les résultats, il y a 9 officiers militaires, des officiers supérieurs, qui sont impliqués dans l'histoire des détournements de fonds publics. Et là, ils sont mis à la disposition de la justice à l'autorité militaire. Qui sont-ils ? Vous le saurez. Donc ici à Goma, il y a 9 officiers. Il y a 9 officiers militaires qui viennent d'être mis à la disposition de la justice. Plus ceux de Béni, ça fait combien ? S'il vous plaît. Plus ceux de Béni, ça fait un total de combien ? À Béni, il y avait 6, à Bounia, il y avait 11.
Ils sont accusés de détournement. Détournement avéré. Dans la partie nord, ils ont été cités. Ici, pourquoi on ne peut pas les citer? Mais vous le saurez, le porte-parole du secteur opérationnel, là, il vous donnera le nom. Si vous n'avez plus de questions, merci, ça, ce ne sont merci. Pas des questions. Je vous remercie. Oui. Bon, vous savez, vous venez d'évoquer l'état de siège. Comment vous évaluez l'implication des jeunes depuis que cet état de siège a été instauré? Est-ce qu'y a-t-il une implication par rapport au soutien des jeunes, comme tout le monde, toute la population du Nord Kivu veut avoir le retour de la paix et la sécurité au Nord Kivu? Je pense que les jeunes du Nord Kivu se sont montrés beaucoup plus imaginatifs et très réceptifs. Aussitôt que le chef de l'État a décrété l'état de siège, je peux vous dire que déjà dans les réseaux sociaux, les jeunes étaient le premier à dire clairement, haut et fort, qu'ils soutiennent l'état de siège, pourvu que ça nous amène à retrouver, n'est-ce pas, la paix, la sécurité et donc la quiétude que nous avons manqué depuis toutes ces années. Nous sommes les plus victimes des atrocités, des guerres en répétition, des tueries, massacres par-ci par-là. Nous ne pouvons que soutenir une démarche s'il s'avère être le prix à payer pour restaurer l'autorité de l'État et pour que la paix soit restaurée et établie sur toute l'étendue du pays et de la province de Nord Kivu. Voilà pourquoi je peux vous dire que les jeunes, déjà vous savez qu'ils sont trop actifs dans les réseaux sociaux, vous ne les voyez pas interférer dans l'exercice de l'état de siège. Non, ils sont très rares ceux qui commentent d'ailleurs sur cette question, puisque nous nous sommes dit qu'il fallait donner la chance à cette démarche du chef de l'État pour que nous ayons la paix. C'est ça notre première façon de contribuer. La deuxième des choses, c'est que même ceux qui sont dans les groupes, différents groupes armés, vous connaissez l'histoire des rendus par-ci par-là, dans les Grands Nord comme dans les Massissi, dans les Walikale, dans les Routchour. Les gens continuent à se rendre. Ils sont dans les groupes armés, mais ils ont compris le message que nous leur avons lancé et que les autorités ne cessent de les lancer. Les députés, par exemple, continuent à leur lancer l'appel. Nous pensons que ça, c'est une deuxième démarche. Le troisième apport des jeunes, c'est que les jeunes, ils se disent disposés. Disposés à écouter ce que l'autorité veut à ce qu'il fasse pour la réussite de l'état de siège. Mais il faut aussi qu'il y ait des indicateurs qui nous permettent d'évaluer son état d'avancement. Il ne faut pas que ça reste finalement un truc où on ne sait pas les tenants et les aboutissants. Donc aujourd'hui, c'est une affaire qui nous concerne tous, surtout que notre vie et notre avenir en dépend. Voilà pourquoi nous sommes en train de demander qu'à travers le mois de la jeunesse, qu'il y ait un échange entre l'autorité militaire avec les jeunes, du moins les délégués, les représentants, les leaders des jeunes, pour que tout le monde soit fixé et que chacun sache quel rôle il devra jouer, quelle attitude prendre pour aller très rapidement vers l'atteinte des objectifs de l'état de siège. Voilà un peu, de manière résumée, nous soutenons l'état de siège, nous soutenons le chef de l'État pour avoir pris cette décision, mais nous voulons également qu'il puisse être trop regardant, qu'il y ait des contrôles sévères envers ceux-là qui ont la charge de la mise en œuvre de l'état de siège, pour que les gens ne se dérobent pas de leurs responsabilités et que très rapidement on voie les actions après l'étape de dissuasion, de persuasion. Il faut qu'il y ait des contraintes contre tous ceux-là qui vont résister parce que justement, il faut les rappeler, le monopole de la violence est de la compétence exclusive de l'État et donc du pouvoir public. Il est aberrant qu'on continue à observer les groupes armés avec des armes faisant preuve de plus d'atrocité, de l'extrême atrocité d'ailleurs. Nous pensons qu'il faille que l'État s'assume, qu'il s'assume et qu'il puisse recouvrer son pouvoir régalien, seul de détenir ce monopole de la violence et non laisser cela entre les mains des différents groupes armés, des différents seigneurs de guerre. Nous saluons tous ceux-là qui se sont rendus, mais nous demandons également à l'État de faire tout ce qui est à son pouvoir pour donner tout ce qu'il faut à ceux-là qui se sont rendus, qu'ils ne trouvent plus de prétexte à rentrer dans les groupes armés. Ça sera sinon un cycle vicieux puisque ça a toujours été le cas. Les gens se rendent, mais du coup ils ne sont pas pris en charge, donc plus ils ne sont pas encadrés, ils ne sont pas réorientés pour leur réintégration dans la communauté. Et c'est ce que nous demande la jeunesse du Nord Kivu. Nous partageons ces soucis, mais comme vous le savez, nos textes ne prévoient pas de vide, c'est-à-dire jusqu'à l'installation du président, du nouveau président élu, n'est-ce pas, régulièrement,
les comités en exercice restent en fonction. C'est tout ce que nous sommes en train de faire, faire respecter nos textes. Et vous le savez, je dois les rappeler, que nous étions au point de tenir l'Assemblée générale. Nous avions personnellement déjà écrit aux conseils urbains et territoriaux pour prendre les dispositions afin de venir participer à ces assises. Mais nous avons tous été surpris, quelques jours seulement, par la décision hiérarchique de l'autorité suprême du pays, le président de la République, qui a décrété l'état de siège en province du Nord Kivu et en province de l'Ituri. L'état de siège est assorti des restrictions qui n'ont pas permis justement à ce que les mouvements, les grands rassemblements se tiennent, et du coup l'autorité militaire qui était venue ne pouvait pas violer ces dispositions, et que donc ce n'est ni de ma faute ni de la faute de l'autorité provinciale, c'est plutôt une mesure tombée comme ça depuis la présidence de la République pour des raisons que nous connaissons, l'intégrité du territoire menacé, mais également l'autorité politico-administrative, l'autorité donc de l'État sur toute l'étendue de la province, sabotée, il y avait de quoi décréter l'état de siège. Bon, il n'y a pas que ça, rappelez-vous que bien avant, il y avait quand même un problème de fond, et que nous étions en attente de fond. Heureusement que l'autorité, à l'époque, le gouverneur civil, son excellence Carly, avait déjà donné son quitus, jusqu'à ce qu'il a aussi été surpris par la mesure de l'état de siège. Et que donc, aujourd'hui, il faut que les gens comprennent que la COVID-19 est venue aussi sceller cette impossibilité de réunir les gens en assemblée générale. Mais au jour d'aujourd'hui, je peux vous rassurer que nous sommes en train de plaider pour que l'autorité militaire envisage la possibilité de nous laisser organiser l'assemblée générale. Il n'est pas exclu que qu'à notre retour de Kinshasa, nous puissions discuter, voir les voies et moyens avec l'autorité provinciale, la division de la jeunesse, d'autres parties prenantes, sur comment nous pouvons convoquer l'Assemblée générale. Voilà de quoi il s'agit. Il est question que les gens gardent leur mal en patience. Nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout de ce processus qui n'a que trop duré. Et que donc, à très bientôt, je n'en dirai jamais assez, à très bientôt, il y aura Assemblée générale et élective au Nord Kivu. Président, peut-être l'avant-dernière question, y a-t-il un autre message, quelque chose que vous voulez ajouter? Je voudrais peut-être dire que nous sommes invités à aller participer à l'Assemblée générale et élective du Conseil national qui aura lieu, pas vraiment à Kinshasa, mais à Kisantu, c'est dans le Congo central. Et que toutes les provinces y sont conviées. D'ailleurs, beaucoup de mes collègues des autres provinces, notamment les Sud Kivu, l'Ituri, vont passer par Goma. Je les souhaite bon séjour pour le peu de temps qu'ils vont passer ici. Je salue en même temps la présence de notre vice-présidente Liliane Leno, qui est ici en mission de service. Mais nous pensons que ce qu'il faut souligner pour la jeunesse, c'est de rappeler que nous avons commencé le mois de la jeunesse. Parce que le 12 août de chaque année, c'est une journée dédiée à la jeunesse par les Nations Unies et une journée obligatoire pour les États partis, les États membres des Nations Unies dans notre pays. Je voudrais d'abord profiter de cette occasion pour lancer un message aux autorités, leur demander de prêter une attention à la jeunesse, puisque la jeunesse constitue un acteur très important dans la stabilisation de notre pays, dans la sécurisation de notre pays, dans les renseignements, dans le rajeunissement de notre police et de l'armée, dans la santé publique de l'État. Aujourd'hui, ce sont des vecteurs de la transformation des informations. On peut s'en servir pour sensibiliser les gens contre la COVID-19 et ses effets. Aujourd'hui, nous pensons que nous saisissons cette occasion pour demander aux autorités de rester à l'écoute des jeunes, de les apprêter une attention soutenue, de les soutenir dans leurs initiatives pour qu'ils ne soient plus de freins au développement, à la sécurité, mais plutôt des solutions à tous ces problèmes sécuritaires. Et j'en pense. Aujourd'hui, c'est une main d'œuvre incontournable. Personne ne peut se passer des jeunes. Et donc, j'appelle les autorités à se rappeler que s'ils veulent prévenir l'avenir, il faut qu'ils investissent dans l'homme et les jeunes. Les jeunes, pour des raisons évidentes, ils ont
ont leur temps devant eux et non derrière eux. Ils ont de l'énergie physique. Les jeunes, ils sont changeants. Les jeunes, aujourd'hui, parmi eux, on a maintenant des élites. Aujourd'hui, vous connaissez la révolution actuelle dans notre pays, et la révolution pour le changement positif, pour cimenter la démocratie, elle est venue des jeunes. Voilà autant de raisons qui poussent à cela. Et que donc, si nous voulons aujourd'hui investir dans, de manière durable, il faut investir dans les jeunes. Et ceux-là qui pensent qu'il faut restaurer l'ordre et la sécurité, l'autorité de l'État dans notre pays, il faut qu'ils se rappellent qu'ils ne feront qu'avec les jeunes. Voilà pourquoi il faut les écouter, il faut penser à répondre, à prendre en considération leur manière de voir les choses. Ça peut aussi aider. Et donc, le message que j'ai à dire, c'est que nous avons déjà demandé aux villes et territoires du Nord Kivu de s'organiser pour célébrer cette journée de la jeunesse, mais chacun de sa manière, en contextualisant par rapport à leur contexte. Et pour le Nord Kivu, de manière globale, nous envisageons d'organiser une rencontre, bien sûr en collaboration avec les étudiants de l'ILBGEL, pour voir si on peut faire une journée de réflexion avec les autorités, l'autorité provinciale, qu'ils nous disent par exemple, c'est quoi l'état de siège, qu'est-ce que l'autorité militaire attend de la population et des jeunes en particulier pour l'aboutissement heureux de cette démarche, mais également qu'est-ce que les jeunes peuvent attendre des autorités militaires pour que l'autorité pour que l'état de siège aille jusqu'à l'aboutissement de sa mission. Mais et tout cela, il faut rappeler, ça rentre dans un cadre bien précis, le contrôle citoyen. C'est autoriser un contrôle non parlementaire, extra-parlementaire. Nous pensons que nous le ferons et de manière propre, sans vouloir entraver les mesures de l'état de siège. Et ça vaut la peine parce que nous devons aussi avoir un cadre pour évaluer l'état de siège, pour que nous puissions être au parfum de comment ça évolue. Pour que très rapidement on revienne à la situation normale où l'autorité civile et politique reprennent les affaires et pour aussi faire respecter notre propre constitution qui a prévu que justement l'autorité militaire soit soumise à l'autorité civile et politique. Voilà.